100 ans de Guilise, des clichés d'hier et d'aujourd'hui pour raconter un quartier à l'histoire mythique et au présent résolument dynamique. Deux facettes qui font de Marrakech l'un des lieux les plus prisés au monde. L'exposition à ciel ouvert fait jusqu'à juin le patrimoine urbain de la ville Ocre en même temps que son histoire. On fait appel à des historiens, nous avons fait appel au patrimoine collectif parce que certaines personnes ont fait un petit peu du porte-à-porte chez les Marrakechis pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir comme matériel. Pour immortaliser les 100 ans de Guilise, les organisateurs ont fait appel à Nourdine Tilsarani, véritable ambassadeur de sa ville natale Marrakech et dont l'œuvre se conjugue à l'ocre de Guilise. Dans cette série, la signalétique de la ville en devient presque poétique. Le thème qui est principal du travail que j'ai fait, je vais dire que c'est le passage piéton ou le passage tout court, ce qu'on verra sur ces photos-là. Et j'ai respecté quand même le concept de l'expo, je parle de la partie historique. Et pour clôturer en beauté ce 100e anniversaire de Guilise, un concours sera lancé pour édifier la plus belle horloge. Architectes et designers vont rivaliser de créativité pour remporter le concours El Meghana, l'occasion de repenser ce monument qui deviendra le repère incontournable du quartier.